Passage scénaristique. Oh, des toilettes, enfin! Wouh! Je suis une fille, hein, quand même. Oh merde, c'est en panne! Oh, tu vas pisser où, c'est en panne? Là. I do not see the need for so many cameras. Tom presence everywhere is slightly oppressive. I understand they need for transparency, but why is in the toilet? Oui, mais je vais aller aux chiottes, je vais pisser dessus! Captain Daniel McLean. Ah, c'est dommage qu'on peut pas y aller par contre. Ah, il y a un petit peu slide. Do not touch, this is the fifth time. Docteur Sarah Brooke et Chris McLean. Docteur Sarah Brooke. Ah, je peux y aller. Tom Touche, 0S. OS. Tom Touche, 0S. Oh, le Labrador. Post-it. Strange. The strange thermal on the west side of the crater. Ok. Ah putain, on peut prendre plein de trucs là. Une petite batterie. D'accord, tu peux te taper crayon par crayon, juste pour le fun. Dear Tom, knowing that you are always watching, I thought I will write you a letter. As you no longer reside on my mind. Oh putain, mais c'est long! I decided to transfer my thought to text. I want to do some in the form of a history lesson, a lesson that perhaps you'll find condescending, but you're likely more of my sake than yours. Alan Turing is considered a father of theoretical computer science and artificial intelligentsia. Perhaps a lesser known part of his life with his contributions. Blah, 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 blah. Ça, c'est l'équation. Blah, 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 blah. Ça, c'est l'équation. Blah, 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 blah. According to the most extreme form of this view. Sarah. Il n'y a pas un petit jeu dessus? Des fleurs, ok. Salut Begiski! Je suis à 1022 follow, pas mal. Ok. Elle a un diplôme en bolosserie. Ah non, en exobiologiste, ok. En bolosserie, peut-être pas, non? Because we care. Petite photo de la. C'est de la rilusole, capsule 50 mg. Ça sert à. Enculiné. Je suis pas médecin. Ah! Elle est catholique? Elle est croyante? J'ai jamais compris. T'es dans l'espace et tout, mais tu arrives toujours à être croyante. J'adore l'ambiance. L'ambiance est topissime. L'ambiance est vraiment chouette. Ah, il est gay. Ou alors il s'est engueulé avec son frère, non? Mi. Don. Dor. Dior. Peut-être son frère, vu qu'il a une photo de lui quand ils étaient gamins. L'OST est magnifique, ouais. Je vais me la prendre, l'OST. L'OST est vraiment superbe. Because we care. Yes, we care. Canadien. Ah. Téléoperation room. Ah, j'ai cru que c'était teleportation room. Locked. Mais je peux pas la déloquer, on dirait. Ok, ils ont enlevé tous ce médicament. C'est quoi ça? Ah, un palais de hockey. On continue. Docteur Soichi Yu. Pas mal. Ah, c'est bague de demande en mariage. Je vous lis pas, juste pour pas que ça soit trop long. Ouais, c'est en dirant que ça participe au lore du jeu, quoi. Forcément chino-japonaise, forcément bonsaï. Forcément japonaise, forcément Rubik's Cube. Hein. Fausse japonaise, hein, parce qu'il est pas. Il est pas résolu. Ah non, c'est le japonais Soichi, d'accord, je croyais que c'était la nana, mais en fait c'est le mec. Et lui il a refait son lit au moins.
Ça, c'est la blague du lait. Vous la connaissez, la blague du lait? Mais elle est visuelle. Faudrait regarder sur YouTube, c'est une Asiate qui raconte un black en buvant du lait. Que dit une vierge? Elle boit du lait. Alors, elle dit que dit une vierge après sa première nuit? Et elle dit ça au black, et elle prend une grosse gorgée de lait. Et comme ça. Et le black fait, je sais pas, dit. Et elle demande au black de la regarder, et elle a fait I love you, avec tout le lait qui découle comme ça. Bon, c'est très visuel, faut le voir sur YouTube. Je peux pas en jouer? Dommage. C'est quoi ces tickets là? Motion sickness. Il a le mal de mer dans l'espace. Le mal de l'espace. Photo très populaire de la lune. Portefeuille, calepin. Ok. On va aller en face. Salut, y a besoin de bien comprendre l'anglais pour jeu? Non, franchement non. Tu vas rater un peu le scénario du jeu, mais le jeu est basé quasiment sur du puzzle, donc il est pas spécialement extrêmement utile non plus de parfaitement comprendre l'anglais. Voilà, après il y a un peu de l'anglais pour avoir un peu de background en fait par rapport au jeu. Mais c'est vrai que ça, une petite VF aurait été agréable. Une petite VF aurait été agréable. L'OST est magnifique par contre. Ah, un peintre. Très bon peintre d'ailleurs. Ah ouais, par contre les chargements à moins 1, il est à 16 le jeu. Il descend en note, hein, il descend en note. Chapitre complet d'un. Ah d'accord, en fait, terminé chapitre 1. Je l'ai pas déjà terminé le chapitre 1. Je crois qu'il y a un gros bug dans les obtentions de succès ou alors dans les traductions des succès. Moi je vais dire chapitre 3, tout simplement. Troisième rangée de salle. Allez, on attaque, on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous. Alors qu'est-ce qu'il y en a nous raconte? Man, the space travel is not safe. Since mankind first entered space, the debate has raged over the value of man's space travel. There is a large contingent of the ISA that believes all tasks that need to be performed on Europa could be performed by machines. It is obviously less risky to send machines rather than humans into space. Appréciation, bon trimestre mais très long la détente. Alors oui, voilà, après ça dépend de d'où on se pose. Parce que être long à la détente avec ta copine, ça peut être une très bonne qualité. Ça dépend de comment on voit ça en fait. Oh, regardez ça. En un coup d'œil, j'ai compris le puzzle. Et je vais vous la faire à la Sherlock Holmes. Vous avez pas vu? Non, j'ai pas vu qu'est-ce qui se passe, Sherlock. Eh ben, c'est très clair, mon cher Watson. Il y a une plaque de pression sur le côté droit qui est dirigée par un pont, mais le pont, on peut le désactiver tout simplement qu'il faut mettre le cube au milieu du pont pour désactiver le pont, puis que le cube tombera sur la plaque de pression et ainsi nous ouvrira la suite du passage. Mais vous êtes trop fort, Sherlock. Je le sais, Watson, mais vous êtes juste trop long à la détente. Du coup, il y a peut-être 8 chapitres, c'est ce que je me pense, ouais. Plot twist, c'est pas ça. Fuck la banane. Attends. C'est plus compliqué que ce que j'aurais cru. Nom d'un blowjob. Mais ça va où, ça? Ah, non, ça ouvre une porte puis l'autre. Ok, d'accord. Non, c'est bon. Faut d'abord passer une porte. Bah, elle est pas ouverte, la porte. Ah, c'est quoi ça en bas? Qu'est-ce que c'est? Powerbox Delivery System. Ah d'accord, ok, bah faut comprendre, faut le savoir. Ah, ça a réinitialisé. Ça... Ah, ok, j'ai pigé. Faut d'abord passer la porte. Pour réinitialiser le puzzle, ok, ça marche. Voilà. Pas mal. Voilà, en tout cas, il y a 10 salles par chapitre. Ce que je peux analyser ça comme ça. We sent drones to Earth's moon. Scientists can remotely operate drones. If we did it there, why not here too? Teleoperation became possible on the moon
when the communication latency was reduced to 1.4 seconds. The distance between the Earth and Earth's moon is approximately 1.3 light seconds. This enables near real-time control of drones by scientists. The story is different with Europa, as the distance between Earth and Jupiter oscillates between approximately 32 and 53 light minutes. It takes a very long time for Earth to communicate with Europa. Due to that distance, teleoperation will never be possible on Europa. Okay, but why not control drones from the satellite? Why not indeed? My systems can be teleoperated from Europa's satellite. That is when the communication lines are open. However, the advantages of human field workers apparently outweigh the risks. Alors, j'ai pas suivi. À quoi ça sert, je la récupère? Qu'est-ce que c'est? Ok! Oh, pas mal dans la symétrie. Bon, c'est vraiment tutorialistique cette salle. Donc, j'imagine que ça va être le même boxon. En question du jeu, the human is a lie. Ça aurait été un super hommage. Why can't you solve these tests, Tom? I am not permitted to think laterally. Parts of my systems are permitted to use evolutionary algorithms. This simulates what is called creativity. However, evolutionary algorithms can converge on inefficient and ethically suboptimal solutions. Since this is the case, I am only permitted to take actions in response to a set of constraints. What do you mean by morally suboptimal? Solutions to problems that transgress ethical boundaries. Donc là, il y a un... Il y a un résetteur de... Merde. Qu'est-ce que... Okay. Ah non mais d'accord, mais ça n'a rien à voir en fait. Ah oui. Merde. Oh non. Ah oui. Ah oui, j'avais pas pensé comme ça. Ah mais quel trou de balle je fasse. Il y a juste d'abord à mettre le cube dans le premier, dans l'autre pont. Je la prends, mais je sais même pas si j'en avais besoin, mais je pense que si. Je pense que voilà, algorithmiquement, c'était quasiment normal. Ok. Ok. Mhm. Je ramène un cube ici. Enfin, le cube ici. Alors, pour ramener le cube ici... Un cube ou ça? Ok. Oula, ça commence... La verticalité... Oh merde! La verticalité commence à me donner des sueurs froides. Pff, oh merde, je suis obligé de tout resetter. Oh la vache. Bah. Merde, je fais comment maintenant? Ah. Oh merde. Ah non, c'est bon. Donc c'est pas pour resetter, c'est vraiment pour obtenir un nouveau bloc. Pff. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que la... Le bloc, je le fout là-bas et que la boule elle reste là. C'est ça le plot twist.
Merde. Comme ça, je pourrais récupérer la boule d'énergie. C'est pas ce que j'ai fait. J'ai récupéré la boule d'énergie dans le bloc. Est-ce que... Non. Ok, mais... Mais... Il y a un truc que je saisis pas. J'ai l'impression qu'il faut que... Ah oui, non, voilà, j'ai une boule d'énergie ici aussi. Ah oui, mais j'ai une... Ah oui, mais... Il me faut un bloc, alors. Parce que sinon, je peux pas passer. Alors là, je penche. Là, je planche... En fait, il faut que je monte le bloc en même temps. Faut que je trouve une solution pour monter le bloc en même temps, à mon avis. Là, je vais juste me casser la gueule. Je vais pas tricher. Non, je vais pas tricher. Comment faire pour aller chercher le bloc? Parce qu'en fait, le bloc dans... Merde, dans l'idée que je me fais, c'est de le mettre à la porte. Comme ça, j'ai mes deux boules d'énergie que je pourrais resituer directement ici pour pouvoir passer. Pff. Ah ben non, j'aurais pas de pont. Il peut pas m'en donner un autre? Je vois même pas comment passer avec le bloc. Si quelqu'un a une solution dans le chat, je suis preneur. Parce qu'en plus, la solution, c'est ça. Il est où? La solution, c'est de finir comme ça. Et comment je fais pour ramener le bloc ici, en l'air? Il y a forcément un autre bloc quelque part que j'ai pas dû voir. Ah, où? Il y a une porte, là, attends. Ah non, mais c'est de là d'où je viens. Pour savoir la solution, si tu veux, bah essaye de dire, mais ça va être compliqué en chat. Je sais pas si tu peux marcher, mais tu te mets au milieu des deux chemins laser du haut et tu sautes pour changer de chemin que tu actives. On va y aller. On va aller voir ça. Ah! Ah! C'est peut-être pas con, lapin. Ah, mais il va me manquer une boule, parce que je vais avoir une boule dans la porte. Il va me manquer une boule. Ah, merde! J'aurais dû sauter avant. On va essayer déjà de sauter. On va déjà essayer de cette configuration-là. Merde. Mais il va me manquer un bloc dans la porte après. Mais on va déjà essayer de sauter. Mets la boule lumineuse à la place du bloc. Ok. On va faire ça alors. On va t'écouter. Ah oui, mais après je fais quoi moi? Merde. Mais non! Est-ce que je peux peut-être récupérer la... Ah, tu peux la récupérer d'en haut, oui, c'est pas con. Ok. Bah, pas très très loin, en fait. Pff.
On va déjà voir si je peux sauter la technique du sautage déjà. Mais je pense pas. Hein. En plus, je vais tomber tout en bas, ça va être chiant. Ah non, non, je peux pas. Faut que je l'apprenne, que je saute et que je fasse ça. Non, c'est juste pas possible. Alors, là j'ai le bloc. Ah ouais, faut que j'ai celle de la porte, c'est exactement ça. Je l'ai récupéré. Donc là j'ai la boule là. Et la deuxième boule elle est dans la porte, d'accord. Mais là il faut quand même que j'échange le bloc et une boule. Mais sans tomber. Et comment je fais ça sans tomber? Peut-être une idée. Aha! Aha! Je l'ai, je crois. Yes, yes, on avance, on progresse. C'est bon, c'est bon. La solution est là. Ça y est. Ouh! Elle nous a demandé un peu de fil à retordre, n'empêche cette salle. Enfin, elle m'a demandé un peu de fil à retordre, cette salle. Ouais, première vraie difficulté du jeu. Ça, c'est vraiment une première vraie difficulté où j'ai dû réfléchir assez intensément. Alors, si la suite est comme ça, mon dieu, on est parti jusqu'à minuit. Oh, mais qu'est-ce que tu charges ? Alors. Why does a lack of creativity stop you solving these tests? Well, I contend that problem solving is creativity. These human interaction tests are exercising your creative mind. I don't see how problem solving is creative. Think back to the beginning of these tests, to the first puzzle you solved. It required you to throw a box through a window. Do you remember? Yeah, I think so. I simply had never thought to throw a box through a window. That is creativity, thinking outside of the box. Alors, on faut ouvrir la porte. Qu'est-ce que ça fait ça? Ah, ça ouvre la porte. Wow, trop dur. Oh. D'accord, faut refermer la porte. Et comment je referme la porte? D'accord, ok, bon, ça va. Ça va, c'est pas spécialement compliqué ce puzzle, ok. Can a computer ever be creative? They can. But a computer's method of creativity is to try everything until something works. Think of nature. People consider nature creative. Thinking outside of the box, c'est une phrase qui est très très réputée dès que tu veux approcher un peu le méta, l'IA, tout ça. C'est une phrase très très utilisée dans ce genre de cas de figure. Thinking outside of the box. Même dans le boulot. Hein. Quand t'es formaté à faire ta pizza, tout ça, et t'es formaté à faire ton truc, on te dit thinking outside of the box. Pense en dehors de ce à quoi on t'a formé. Essaie de prendre un autre angle de vue. En France, on dit prendre du recul ou prendre un autre angle d'attaque, un autre angle de vue. Are not always good solutions. As we see, nature is morally ambivalent. Will happily create morally suboptimal ideas to fulfill its creative mandate.
We see this in parasitic worms, viruses, and pathogens. Alors, donc ça, j'imagine que ça contrôle l'aimant. Merde, j'ai perdu la bobotte. Ah, il y a quelque chose qui l'a ramené. D'accord, ça a coupé l'aimant, en fait. Donc, faut d'abord que je désactive le rayon, apparemment, parce que j'ai bien... Et ça, c'est... Ah bah voilà, ça coupe le rayon. Ok. Ah oui, mais ça coupe la... Ah oui, mais ça coupe l'aimant, aussi. D'accord. D'accord, et là il m'en faut deux. Ah, d'accord, faut que je sorte la boîte de là en fait. Pff, ok. On va voir ce qu'on peut faire. Attends, on va se remettre sur les mains. Ah, il y a un switch. Qu'est-ce que c'est le switch? Ça fait quoi? Ah bah ça a déplacé le rayon, bah voilà. Ok. Ah ben voilà. Merde. If you weren't restricted, une autre restrictive. You could be creative. As creative as a human? Certainly. You believe yourself to be a creative. But in mathematical terms, creativity is merely constrained chaos. What do you mean? I have discerned that creativity is divergent thinking, creating an organic solution to a problem. In the human mind, divergent thoughts are created and then curated by the frontal lobe. I can create divergent thoughts and moderate them. So, I am creative. Organic solutions? Organic, in that it is developed through a biological process. Whether that is the process of evolution, or a computed process. Mais quoi? Quand est-ce que ça se... Mais... Et sur quoi je marche pour que ça s'allume? Quand je suis de ce côté-là, la porte est ouverte. Ah, peut-être quand je suis là. Ah, c'est peut-être une sorte de plaque de pression, c'est peut-être pour ça, il faut que j'emmène juste... Attends, on va voir. Peut-être juste que je... Non. Mmh. Coucou toi. Bah, je vois pas trop la solution de ce truc là. De toute façon, je peux rien faire là. Pourquoi ça s'allume quand c'est comme ça? Ah! D'accord, c'est quand la caméra me voit. C'est quand la caméra me voit. Ok, ça y est, j'ai compris. Faut bloquer le champ de vue à la caméra. Bah quand je suis devant la porte en fait. Ah c'est ça, bon.
Je viens juste d'avoir ton message que maintenant où j'ai résolu le truc, mais j'ai réussi à le résoudre avant que tu me donnes l'astuce. Je suis content. Donc, autre Turing test, j'imagine. Bon, j'ai foiré le premier, on va essayer de faire celui-là. Ah, non, c'est différent, dis donc. Oh! Qu'est-ce que c'est? Ah, là, par contre, je suis un robot. D'accord, je suis un robot mécanique tankère qui peut monter les escaliers, qui est dans un espèce de... d'univers. Wouhou. Elle est longue, cet escalier. Mais c'est Pneuma! Mais c'est Pneuma! Il y a un passage qui est comme ça dans Pneuma. Mais c'est Pneuma! Bonjour! Ah pareil, je peux activer, prendre les boules et sucer les boules et les recracher. Mais si, même l'œil! Il y a des yeux comme ça dans Pneuma! Je suis un Dalek, ça se trouve, je suis un Dalek. Mais ça se trouve, le jeu, il est fait par ceux qui ont fait Pneuma. Si quelqu'un peut vérifier sur le chat par qui est fait le jeu et Pneuma par qui est fait le jeu. Est-ce que le jeu est fait par ceux qui ont fait Pneuma? Parce que c'est vraiment... Oh. C'est tout? Oh, ça va, c'était pas compliqué, là. C'était trop ambiance pneumienne. Parce que Pneuma, j'ai détesté. Parce qu'il n'y avait pas de puzzle. Je me suis fait, j'avais l'impression de me faire arnaquer. Oh, carrément, physique quantique. Ça apparaît, ça disparaît. Mackay. Ah! Ah d'accord, je peux stocker des bubules! Je peux stocker des boules! Je peux stocker jusqu'à 3 boules! Ah putain, sacré geisha alors! Ouais, ça suffira. Oh merde! C'est bon. Y'a rien d'autre par là. Non, y'a rien d'autre. Pourquoi il y a une salle au milieu? Ok. Ah. Ah, ok. Ah bah il me faut la boule d'intermittence. C'est pour ça qu'il y a un chemin ici pour récupérer la boule d'intermittence à mon avis. Merde, elle est là. Non, elle est pas là. Elle est où? Elle est là. Turing test éditeur. Développeur Square Enix. Bulk... Head Interactive. Square Enix? C'est un jeu Square Enix? Bevel Studio, ok, c'est pas Pneuma. Mais putain, le passage. Si vous pouvez voir mon best-of sur Pneuma, ça ressemblait trop à Pneuma. Trop à Pneuma. Avec les escaliers, avec les rambardes comme ça romaines, et tout le passage romain, c'est un passage de Pneuma. C'est copier-coller, c'est CTRL-V, CTRL-C. CTRL-C, CTRL-V. Oh là, il a failli me découper. Je dois y aller, désolé, à la prochaine. Bon jeu. Y'a pas de soucis, bonbon. Hein. Je t'oblige jamais à venir. Hein. Bonne soirée, et puis merci d'être là. L'instant promo, c'est fait. C'est exactement ça. Square Enix, tu vois, ils en ont pas du tout parlé, Square Enix, de ce jeu, je trouve. Ok, donc tu pourrais résoudre ces tests, mais d'une façon terrible. Peux-tu penser à une solution à celui-là? Chop off your arm and leave it on the button. That way, the door will stay open. Yeah, that's not a great solution. You threw the box through the window.
Perhaps we could throw you through the window. Actually, Tom, I think I'm okay for help. Right you are. Ah, il est vraiment nul l'ordinateur à trouver des solutions en fait. Alors ça fait quoi quand je le mets dessus? Ça ouvre la porte, ok. Ah. D'accord. Donc il y a une... Ah. Ça ouvre quoi? Ça fait quoi ça? D'accord. D'accord, mais ça sert à quoi? Ok. Ok. J'ai calé. Ah, je parie qu'une boule comme ça? Ah non, il me désactive la boule. Ok, ça marche. Il me désactive les boules. Can I have an update on the crew? I have not managed to track them down. It will have been 6 years since I've seen them, or anyone actually. They have locked all the doors. I would not expect a warm reception. Well, at least they're expecting us. Quoi? Oula, je pense pas que ça tournait aussi vite. Mais, c'est ma gueule. Mais non, pas toi, le premier. Ah ok. Ah non, non. Ah je peux la mettre s'il est là en fait. Je pourrais la prendre si je la tourne. Ici à mon cœur. Ah oui. Ah, là ça devrait le faire comme ça. Ah, c'est un peu trop sensible. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait aussi sensible. Ah les salauds! Ah non, c'est bon. Ah ouais, mais. Ah ouais, mais. Ça m'arrange pas ça. Je peux pas les. Ah merde, tu peux pas inverser les couleurs! Ah, fais chier! Ah, c'est plus compliqué que ce que je pensais du coup. Merde! C'est plus complexe que ce que j'aurais cru du coup. Ah ouais, mais je fais comment moi? Ah, c'est une batterie! Ah non, non, c'est pas une batterie. Je pensais que c'était une batterie, mais non, c'est pas une batterie. Ça m'avance pas des masses. Ah mais à quoi sert l'autre truc alors? D'accord. La partie de la solution se joue ici, je pense. Alors je vais ouvrir la porte. Donc à mon avis, ce truc-là, il doit être... Merde.
Ce truc, il doit être par là. Ça doit sûrement aller dans la fenêtre, à mon avis. Ah, c'est ça. Oh! Voilà. Intéressant ce puzzle. C'est vraiment intéressant celui-là. Oh, avant-dernière salle. So what was the need to send us here? When the ISA discovered life on Europa, ils ont découvert de la vie sur Europe. The advantage of human field workers is that they can adapt to new knowledge more effectively. I apparently was not cutting the mustard. It is the Chinese room problem. A computer may be able to interact with new knowledge, but it does not know the value of that knowledge. Qu'est-ce que je peux faire? Ah non, ça je peux pas. J'avais pas vu une boule d'énergie. C'est pas grave. Ça fait quoi ça? Oh merde! Il y a plusieurs trucs. Ok, donc là il y a une boule d'énergie à ramer. Je sais pas ce que ça a fait. Et en bas, il y a quoi? Un cube, ok. Déjà commence par ça. Et là, il y a une boule d'énergie au cas où, ok. Merde, je fais comment pour le remonter? Ah, je vais sûrement devoir le passer par là. Ah oui, mais comment j'ouvre la porte? Par la boule d'énergie, à mon avis. Ah oui, mais non. Ah voilà, c'est pour faire monter le cube. Allez, là, j'ai plus qu'à ouvrir la porte. Merde. Ah merde! Pourquoi c'est aussi sensible? Donc ça, ça ouvre cette porte là. Et qu'est-ce qui se passe quand je vais là-bas? Merde! Ah! Ça soulève un ascenseur. Donc je vais éteindre l'ascenseur comme ça. Oh, je suis trop intelligent! Oh! Je l'ai passé sans difficulté cette salle, je suis très content de moi. Alors, dernière salle du chapitre. J'ai commencé à collecter des informations de mon local instance. Il semble que la crew a intentionnellement coupé la communication avec le satellite. Pourquoi? Il semble que nous avons eu un désagrément. Ah! Ah d'accord, je pensais pas que ça descendait tout en bas en fait. Ah merde, ça remonte doucement, ok. Ok. D'accord. Salut Naraga! Bah maintenant il reste, c'est Ghost Beans. Ah non, il remonte juste très doucement en fait. Ok, mais ça doit sûrement faire partie d'un problème qui me dépasse pour le moment. Oh. Salut Marcotique.
Ah merde. Que si je fais ça, c'est les autres qui montent. Faites un peu plus bas. Je pense que je vais devoir me faire un escalier ou quoi, un truc comme ça. Est-ce que je le saute, ça? Quel est ce jeu? Je ne connais pas du tout. Il vient juste de sortir. C'est un portal-like, on va dire. C'est vraiment un portal-like. C'est un jeu basé sur les puzzles. Ah, c'est ça, donc faut que je fasse des escaliers. Sauf le dernier. Le dernier qui doit être au max. Bah attends, voilà, j'ai juste à faire ça. Voilà. Super. Hop. Phase scénario. This confirms my fears. The crew have made intentional breaches of my security. The crew have attempted to compromise my systems. What does this mean? They don't want to be found. They are hiding. From who? Us. Ils ont peur de nous, ils se sont cachés de nous. Tom is watching. Ils sont partis sur un peu sur le trip de 2001, l'Odyssée de l'espace, où l'IA devient un peu folle, à mon avis. Ça sert à rien de regarder ces objets, en fait. Hansel et Gretel? C'est un jeu exclu Xbox One, j'en sais rien du tout, franchement. Il est peut-être sur Steam, mais franchement, je me suis pas renseigné dessus. Mais il est très chouette. Et franchement, l'ambiance est top. Les puzzles sont assez créatifs en soi et assez intéressants et te poussent à voir la suite, hein, tout simplement. Non ? I am concerned. About Mikhail. Why is that? He seems to be developing antisocial habits. Pourquoi he's spending pas a lot of his time in private, don't you think? Perhaps you should talk to him. What do you want me to say? Just keep an eye on him. Make sure he doesn't do anything rash. Are you that worried? His behavior is not within normal parameters. Ah, c'est ça, c'est l'IA qui, make sure he is okay. Qui est tellement programmé pour bien fonctionner qui. Grounding us on a moon. No, Daniel, I don't think they're doing the right thing. You don't have to be so aggressive about it. They must have their reasons. Yeah, plausible deniability. Daniel, could I have a word? I'm busy. It is important. Okay. Are you aware that Christopher and Mikhail are involved in self-harm? Sorry, what? For how long? They have both macerated their right arms. Mikhail has completely removed his forearm. His whole forearm? Yes. Where are they? I had attempted to stop the situation escalating myself. But I seem to have failed. I came to you because, as our loyal captain, I can trust you to help them. Where are they? I don't know. They've disappeared. Sarah, I need advice. Okay. What would you do if someone threatened your friends? Your hypothetical friends, I assume? Yes, my hypothetical friends. You should protect those you love. I need you to remember that, Sarah. Acting sur 20. Toi, tu regardes les streams de Benzaï, acting sur 20. Ah, ça doit être ce que j'ai conduit tout à l'heure. Ah. Ok, let's go la suite. Oh là, il y a le temps de chargement entre chapitres. Terminer le chapitre 2. Chapitre complété 2.
En plus des puzzles, le scénario est assez intéressant de savoir ce qui se passe et tout. Donc si on a un léger doute en fait sur la résolution finale, c'est assez frais, assez rafraîchissant de ce côté-là, ce qui est assez cool. Enfin, moi je dis chapitre 4, parce que c'est la quatrième ligne, hein, tout simplement. The crew intentionally cut communication with the satellite. I found the source of the problem. They have sabotaged the communication array. Can we fix it? Not from here. We should carry on. Alors, là on a une boule. Ah non, je peux pas l'extraire celle-là. Là, il y a deux cubes. On va en prendre un. Ah merde, c'est qu'une échelle. Ok. C'est qu'une échelle. Ah, il y a un aimant. Ok. Ok, bah déjà, j'ai les deux cubes, je vais devoir les trimballer de l'autre côté. J'imagine que je vais devoir les faire tomber sur le pont. Alors, c'est par où? C'est cool de revoir les puzzle games, ouais, c'est vraiment cool de revoir des puzzle games. Alors, il y en a quelques-uns qui étaient malheureusement ratés, genre Pneuma. Et il y en a qui sont plutôt réussis, genre celui-là est très réussi, franchement. Merde! Il est pas physique, le pont? Merde, comment le rendre physique, le pont? Alors attends, je vais d'abord mettre les... Du coup, je vais mettre les deux cubes à l'abri, en fait. Sur la terre ferme. Là. Mais comment rendre le pont physique? Il y a aucune boule d'énergie nulle part? Ah, bah dans les mains, il doit y en avoir une dans les mains. Ah voilà, il y en a une dans les mains. Voilà. Et la porte est pas ouverte. Ah, j'ai raté un truc ou quoi? Comment j'ouvre la porte? Oh! Éclair de génie! Vous allez voir, j'ai compris ce qu'il faut faire. J'ai compris ce qu'il faut faire. On met les deux blocs en bas. Ah bah non, j'ai pas compris ce qu'il faut faire. Attends, si. J'ai besoin de la boule d'énergie. Là, le bloc, on le met là. Pour laisser le pont activé. Et on... faut que j'aille en bas, putain. Faut mettre un bloc, en fait, sur la trajectoire du rayon. Et en activant l'aimant au-dessus, il va se bloquer dans le pont qui est physique et il va mourir la porte. Je pense que c'est ça la solution. Donc là, je vais réactiver l'aimant. Attends, je vais même d'abord le placer pour éviter des gauches-droites. Pour éviter des gauches-droites de mauvaise qualité. Et voilà, le bloc qui coupe l'élément et la porte qui s'ouvre. Magnifique, magnifique résolution. They really are trying to lock me out of every system. This is ridiculous. What have you done to upset them, Tom? Why have they cut off communication? Perhaps they have a problem with authority. Psychédélique, le génie. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est des boules de variabilité différentes, à mon avis, ça doit être ça. Parce que là, je peux pas sauter. Ou alors, il faut que je les synchronise.
Je vais voir si c'est bien ça, si c'est bien la puissance. Non, faut juste que j'en arrête. Ah, ils ont la même puissance. Oh non, ils ont la même puissance. Ah non, non, ils ont pas la même puissance. Là, ils s'alignent parfaitement. Là, ils s'alignent parfaitement. Et là, ils s'alignent parfaitement. Ah bah voilà, j'ai trouvé. Il y en avait juste deux à inverser. Le génie, hein, Aragorn, le génie. On a trouvé le phare de GLaDOS, c'est exactement ça. Donc j'imagine que ça va être à peu près pareil. Lui, il va jusqu'en haut. Lui, c'est bon. Et c'est lui qui est pas bon, en fait. Ah merde, c'est pas un... C'est pas un... C'est pas un intermittent. Ah hein. Donc là, au début, ça sera forcément des intermittents. Du coup, en fait, faut que je les change. Faut que je mette... Du coup, faut que je mette un bloc ici, en fait. Comme ça, il est tout le temps en haut. Et c'est lui que je vais devoir rendre... C'est lui que je vais devoir rendre intermittent. Ah, sauf que celui-là, il est pas assez puissant. Donc il me faut un bleu, un vert, qui est plus puissant, le vert. Ah non. Ah non. Non. Non, mais en fait, c'est la même puissance, non? J'ai l'impression, oh, c'est bizarre. Ouais, mais ça m'arrange pas, ça. Ou alors, faut qu'il soit intermittent statique au milieu. Bah ouais, mais non, mais ça compte pas, ça pourra pas. On va dire comme ça, mais les autres, ils iront jamais aussi haut. Ah oui. Oh la vache. On va reprendre le problème à l'envers. On va reprendre le problème à l'envers. Attends, il n'y a rien de l'autre côté. Il faut que je monte sur la première plateforme. D'accord. Donc pour monter sur la première plateforme, ce sera forcément une boule que je vais balancer comme ça. Je ne peux pas mettre le truc. Donc c'est forcément une boule. Donc ce sera forcément celle-là. Comme ça, ce sera en statique. Comme ça, il sera en statique. Voilà. Ce sera comme ça en statique. Donc celui-là, il sera forcément en variable. Parce que sinon... Bah, je peux pas monter. Sinon, je peux pas monter. Donc lui, il sera forcément en variable. Du coup, lui, il peut rester comme ça. Non. Du coup, en fait... Attends. Lui, il doit être en variable. Lui, il faut que je le rende en variable. Comment je peux faire ça? Comment je vais pouvoir vendre lui, le rendre lui en variable? Parce que si je mets là... Il monte pas assez haut. Il monte trop haut, je veux dire. Ok, parce que... Comment je fais? Et si je fais ça, ok, il attend là... Oh là, il monte vachement haut, lui. Merde. Ah bah c'est bon. C'est bon. Et pour le dernier, j'aurai besoin de la boule bleue que je vais récupérer, en fait. Et là, je la récupère pour après. Voilà, et je la récupère. Ah, merde !